S'il vous plaît. Sidonie, Marie-Alix, Gilles. Sidonie, où es-tu? Sidonie, où es-tu? Je ne sais pas, on a parlé entre 100 et 300 personnes, donc là, il n'y en a pas 300, c'est sûr, mais... Après, il y a du monde déjà qui est parti. Alors, en servant le champagne avant, c'est plus difficile d'obtenir le silence. Ah, d'accord. C'est ce que j'ai dit à un moment donné. J'ai dit, faites comme vous voulez, nous, ça n'a pas d'importance. Parce qu'en même temps, les gens étant là, ils avaient le temps de commencer la dégustation et. Bon, j'espère que vous n'avez pas trop chaud. Naturellement, je me dois de faire un petit discours. Je vais essayer d'être clair, rapide et concis. Je ne suis pas un expert des discours, mais bon, je suis obligé de passer par là en tant que président de l'association. Tout d'abord, bienvenue au Rocher Créatif, le premier tiers-lieu à Troyes. Aujourd'hui, ce soir, je vais vous raconter l'histoire et comment cette histoire a débuté. Et ce qui fait que vous êtes là ce soir. Fin 2016, suite à une participation de mon associé Cyril et de sa structure Champagne Reprographie du groupe Print Solutions, il a participé à une expérimentation qui s'appelait Quartier Libre. J'ai été très interpellé par cette expérimentation, le concept et la démarche de cette équipe qui correspondait totalement à ma façon d'être. Le collaboratif, le partage. Et puis il y a eu en janvier 2017 le salon de la réalité virtuelle à Paris, auquel j'ai participé avec le soutien de Cinestic et du comité départemental de tourisme de l'Aube, avec quatre entreprises auboises, et nous avons tout simplement fait la promotion du territoire. Suite à cette expérience, je me suis dit, il y a sûrement quelque chose à faire et de tenter une aventure collaborative et innovante à trois, mais pas seul. C'est à ce moment-là que j'ai pris contact avec Gilles, que vous découvrirez tout à l'heure. Et en juin, nous avons engagé les premières réflexions sur le lieu, le calendrier, le budget. Nous avons ensuite sollicité Marie-Alix pour commencer à constituer une équipe. Suite à quelques échanges et retours d'informations, je rencontre Sidonie qui travaillait elle-même sur son propre projet de tiers-lieu. Je la rencontre et là, ça a matché. Tout de suite entre nous, et donc je me suis dit, unissons nos forces et moyens. L'équipe alors était constituée. Les premières décisions en juillet et première rencontre avec les acteurs locaux. Début août, création de l'association. Fin août, validation du lieu et mise en place du business plan et des outils de communication. Pourquoi éphémère? Tout simplement pour susciter de l'intérêt. Susciter de l'intérêt sur une opération courte qui va faire que tout de suite, on va...
susciter naturellement, donc, comme je vous disais, de l'intérêt, mais de l'interrogation sur un concept et une expérience et une expérimentation qui est complètement innovante à Troyes. Et voilà le résultat aujourd'hui. Alors là, j'ai un grand merci à faire à beaucoup de gens. Et donc, ça va peut-être être un petit peu légèrement long, mais ne vous inquiétez pas, je vais essayer de lire assez vite. Un grand merci à Intermarché, Orange, Champagne de Vaud, Pâtisserie du Parc, KPMG, Le Foyer au Bois, la concession Citroën, Hygiène Propreté, Print Solution DM Lettres, l'agence de communication Icadia, Online Stratégie, la concession Kia et très prochainement Serre France Sud Champagne, Nord-Est Île-de-France. Les partenaires de l'inauguration, ils vont être importants ce soir, je pense, après le discours. Le champagne Rémi Massin, le champagne Dumont et Fils, la maison Gilbert Lemel, la poissonnerie Quillet, la fromagerie Pouillot, Obdis, notre artisan boulanger d'en face avec une très bonne baguette tradition. Le groupe Vertigo, Mike qui mixe Megahertz. Nos partenaires experts, D-Studio 3D, Okenit Animation, Olivier Douard, Highlight Movies, E38, FISA, Spuro, Gravotech, Hotelis. Nos adhérents entreprises, nos premiers adhérents entreprises, Festilike, Festilight, Bankolb, Oxodoc, Classroot, Hémisphère, l'agence Super Solide, Vire 360. Nos partenaires artistes. Artistes, c'est un lieu d'échange, de partage dédié à la créativité. Donc, vous avez entre les meubles, ce qui est accroché au mur, des choses qui vont forcément pousser à la créativité. Donc, vous avez ARM Palette, les Modettes, Alfred, les cadres acier, Capucine Orion, Moineau, OASP, Elisa Géa, Cédric Lestienne, Alex Chauvel, Simon Roussin, Nicolas Thiebaud, Picor, Osana Bizarre, Anne Margot, Rammstein, Mathias Erugi, Bob et Sally, Phileas Doug, Alice Walter et Noon. Ainsi que le réseau économique, cinéastique, club et créateurs et repreneurs d'entreprises de l'Aube, créé comme elle, le CJD, Carbao, Perspective Numérique 10, le Labo du Web. Et pour finir, un grand merci pour leur encouragement et leur soutien futur à Troyes-Champagne Métropole. Voilà pour ma partie. Je vais laisser la parole maintenant à la personne qui a insufflé cette idée et qui l'a vécue déjà maintenant sur Reims. Arnaud, à toi. Alors, merci pour l'invitation, bonsoir à tous. Alors, moi je m'appelle Arnaud Bassery, je viens de Reims et j'ai expérimenté pendant 3 mois un projet qui ressemble beaucoup à celui que vous êtes en train d'inaugurer ce soir, c'est Quartier Libre. Je ne suis pas un sachant, mais je crois en 2 choses. La première, c'est que on est une tripotée de personnes à vouloir que le monde change et le monde est en train de changer. La deuxième, c'est que l'humanité déteste le vide. Tout le monde déteste le vide. Il y a 2 solutions. Soit on laisse des personnes s'en emparer et nous imposer une façon de voir les choses, soit on tendance l'avenir. Et je crois que c'est ce qu'on a essayé de prouver à Quartier Libre, et c'est ce que vous êtes en train d'essayer de prouver ici, en tout cas que vous l'inaugurez ce soir. Prouver les choses. On a besoin de prouver, parce que quand on n'a que les mots qui sortent de notre bouche pour faire ce qu'on fait, ben, le mieux c'est de faire et de montrer aux gens qu'on peut faire les choses un petit peu différemment. Un tiers-lieu, ça se résume, en tout cas à mon sens, à pas grand-chose d'autre qu'une espèce de magie. Quelque chose qui est insaisissable, quelque chose qui se crée parce que les conditions se réunissent pour que quelque chose arrive, la rencontre. Je crois que l'innovation, elle n'est pas uniquement le fruit d'un DSI qui fait un ERP pour limiter une masse salariale, elle n'est pas uniquement le fruit d'un geek qui fait un algorithme toute une nuit. L'innovation, elle démarre quand des personnes qui ont des parcours de vie, des compétences et des réseaux différents et qui s'associent au service d'un projet commun. Et le projet devient forcément différent puisqu'enrichi de toute cette richesse qui fait qu'on a des façons de voir les choses un petit peu différentes. Et devient forcément, enfin en tout cas, extraordinaire et potentiellement innovant.
Alors moi, je vous souhaite beaucoup de courage, parce que du courage, il en faut. Il faut beaucoup d'énergie. Fédérer les gens sur une idée un petit peu utopique comme ça, ça paraît pas si facile que ça. Si j'ai réussi à le faire à Reims avec tous mes copains, c'est largement possible. Faut bouger les choses, faut bouger les lignes, et surtout, je crois qu'il faut écrire notre propre avenir. Et merci à tous, merci pour l'invitation, et bon courage. Merci Arnaud. Gilles. Je vais être court. Moi, je suis ravi de vous voir toutes et tous ce soir. C'est assez exceptionnel. Et comme le disait Arnaud, je pense qu'il est en train de se passer quelque chose. C'est un projet un peu fou qu'on a monté très rapidement, en un mois et demi. L'objectif, c'est vraiment de susciter, de fédérer et de dynamiser en fait, tous ceux qui ont envie de bouger à Troyes. Et quand je vous vois là tous en bas, alors je n'ai pas de complexe de supériorité, rassurez-vous, mais franchement c'est très sympa et ça nous encourage effectivement à poursuivre et à dynamiser ce lieu qu'il faut que chacun d'entre vous soit capable de s'approprier, puisqu'en fait c'est vraiment la définition d'un tiers-lieu. Je vais juste ajouter que ce qui est important, c'est ce lieu que vous découvrez dans lequel il y a effectivement des espaces de coworking, des bureaux, mais c'est aussi un gros programme d'animation. Donc moi j'ai un profil et une dimension qui est très digitale, et on a voulu aussi que cet endroit-là soit très numérique quelque part. Donc ce soir, vous pouvez voir avec nos partenaires experts, je vois Alex là devant moi sur toute la partie impression 3D, juste en dessous le miroir. Il y a nos amis d'Okanit à gauche qui vont pouvoir vous faire vivre une expérience de réalité virtuelle. Ça, je vous invite avant de boire éventuellement, parce qu'après ça risque d'être un peu plus compliqué. Voilà, nos amis de Highline qui sont à la manette sur tout ce qui est vidéo, numérique, etc. Olivier Douard qui nous rejoint aussi dans cette aventure, voilà, avec sa borne à selfie et qui va nous faire un ensemble de choses. Et c'est un programme d'animation qui va être lourd, parce que sur 10 semaines, vous aurez toutes les semaines entre 5 à 6 événements, des ateliers, des conférences, des déjeuners thématiques, mais aussi des after-work. Donc en général, le jeudi soir, on vous proposera de passer, de pouvoir échanger. Et là, l'important pour nous, c'est effectivement la rencontre entre des dirigeants d'entreprise, mais aussi des étudiants, des porteurs de projets, des experts du numérique, des artistes. Voilà, on veut que tout ce monde-là se rencontre et qu'il se passe quelque chose ici. Tous les jours, c'est notre ambition. Et on vous remercie encore une fois d'être là ce soir. Maintenant, vous allez découvrir donc Sidonie, qui va être la permanente du lieu, qui c'est elle qui va être l'animatrice. Bonsoir à tous, merci d'être là aussi nombreux. On est ravis qu'il y ait autant de monde pour découvrir cette dynamique collaborative à Troyes. Alors moi je suis Sidonie, entrepreneuse, mariée à un entrepreneur. Troyenne d'origine, ayant fui un petit peu la ville après mon bac et étant revenue après avoir beaucoup voyagé, en se rendant compte à quel point cette ville a des avantages. Qualité de vie notamment, proximité avec Paris, et à quel point cette ville peut être intéressante et attractive pour les entrepreneurs et les porteurs de projets. Quand on s'est réinstallé ici il y a un an, on a cherché un lieu collaboratif pour rencontrer d'autres entrepreneurs, pour pas bosser de la maison, pour rencontrer d'autres compétences aussi, des comptables, des graphistes, des commerciaux. Et puis on est rentré bredouille à la maison et on s'est dit ce lieu, il faut qu'il existe. On a fait un petit peu le tour des acteurs du territoire et puis tout s'est déclenché quand on a rencontré le bureau du Rocher Créatif en juin. Tout est allé très vite, hein. On s'est rencontrés littéralement il y a 3 mois et ce lieu, on l'ouvre, on en est très fiers. Vous le voyez, il a été aussi disposé de manière à faciliter et favoriser la rencontre. On a un espace détente aussi grand que l'espace de coworking. Moi, je suis là au quotidien pour m'assurer que tout le monde va bien. Qu'il fasse la bonne température. Alors je suis désolée, aujourd'hui il fait beaucoup trop chaud, mais d'habitude ça se passe beaucoup mieux. On n'attendait pas 26 degrés fin septembre. Voilà, je suis là pour vraiment m'assurer que cette communauté, elle vit, qu'elle paye son café collaboratif et qu'elle lave sa tasse, parce que c'est aussi ça le lieu collaboratif et ça va jusqu'au bout. Donc on est ouvert tous les jours de 9h à 19h sauf le lundi matin.
Alors, je suis aussi là dans l'espace en tandem avec Andrei, mon mari entrepreneur, puisque comme vous le voyez, j'ai aussi besoin de prendre soin de moi et de me reposer un petit peu parfois. En tout cas, ce qui est très important, c'est cette notion de communauté. Je voulais faire un petit clin d'œil, évidemment, ce soir aux premiers membres utilisateurs de cet espace. J'ai fait une petite liste pour oublier personne. Les entrepreneurs qui sont présents dans les bureaux, du coup, au fond, donc Mathilde, François, Lucille et Guillaume, et les premiers coworkers, Andrei, Delphine, Emmanuel et évidemment Dominique, présents dans les lieux. Voilà, je vous remercie. Je vous invite surtout à revenir nous voir et à venir travailler ici à partir d'une heure ou le mois complet. On est ouvert et surtout ouvert à la discussion et à la rencontre. Je vous souhaite une très bonne soirée. Pour finir, vous allez découvrir Marie-Alix, la trésorière de l'association. Vous parler de sous. Merci à tous d'être venus aussi nombreux parce que pour moi c'était la plus belle des récompenses que ce lieu soit complètement rempli ce soir. Donc c'est en tout cas ça nous touche beaucoup. Comme vous le savez, le Rucher Créatif c'est une association à but non lucratif, donc avec toutes les problématiques économiques que ce format incombe. Donc pour qu'une dynamique comme celle-ci puisse vivre, on a besoin de soutien, d'énergie. Ah, pardon. Donc pour qu'une dynamique comme celle-ci puisse vivre, on a besoin des énergies et du soutien de tous. Donc on a mis en place un certain nombre de choses pour que vous puissiez nous aider à soutenir la dynamique. Donc notamment des programmes de partenariat qui démarrent à partir de 500 €, qui vous permettent de profiter de la visibilité et de toutes les mutions autour du Rucher Créatif. Mais comme je vous l'ai dit, c'est aussi une association, et une association elle a besoin de ses membres au quotidien, que ce soit en termes d'adhésion, parce que c'est le nerf de la guerre, mais aussi en termes d'action et de participation aux événements et à la vie du lieu. Donc que ce soit à titre personnel ou à titre de vos entreprises, vous pouvez tout à fait adhérer et nous aider à porter ce projet jusqu'au bout. Donc on compte sur vous, on compte sur votre participation, on compte sur votre soutien et on compte surtout vous surprendre pendant ces 10 semaines. Voilà, merci. Je vais finir simplement en vous souhaitant une bonne soirée. Stand Rémi Massin sur la mezzanine, stand Champagne Dumont dans l'espace de coworking et le stand Champagne de Vaux. Passez une bonne soirée, merci d'être venu et à très bientôt.